L'entreprise AJM, basée en Centre-Bretagne à Châteauneuf-du-Fou, est une entreprise de construction métallique avec trois activités principales, la charpente, la serrurerie, la métallerie et une prestation de services et de maintenance. La formation pour notre entreprise et mes collaborateurs est très importante. Les salariés sont très demandeurs parce qu'ils ont besoin d'être en phase avec les nouvelles technologies. La 3D arrive, par exemple. On n'apprend pas ça tout seul. Il faut s'entourer de compétences et de personnes qui maîtrisent le sujet. Ça permet à chaque salarié de sortir de l'extérieur de l'entreprise, rencontrer d'autres personnes, avoir un double regard. Ça leur permet aussi, dans leur carrière professionnelle, d'évoluer et de prendre des responsabilités au fur et à mesure qu'ils grimpent en compétences. Et c'est très moteur pour l'ensemble de l'équipe d'avoir justement des gens qui évoluent. C'est très important. Depuis que je suis ici, j'ai fait trois formations différentes. Deux formations en dessin sur deux logiciels différents. Ça permet de traiter au plus vite pour les clients, de faire le dessin, la mise en plan pour l'atelier, que ça soit propre, précis. J'ai aussi fait une formation gestion de stock, gestion de paye, d'heures, de facturation. Sur le marché du travail, il faut être compétent, compétitif et apprendre tous les jours fait qu'on se sent valorisé parce qu'on a appris des choses et qu'on s'est amélioré depuis notre sortie d'école, on va dire. Alors moi j'ai suivi des formations sur ordinateur. Sans les formations, on a du mal à suivre aussi les logiciels, il y a beaucoup d'évolutions. Ça nous permet de gagner énormément de temps aussi dans notre dessin. Je trouve ça vraiment super quoi. Ça donne vraiment envie de continuer en fait à se former, à évoluer. C'est le but hein, je pense, de voir toujours plus haut pour progresser et devenir meilleur. Nous accompagnons aujourd'hui les entreprises en faisant un point avec elles sur les compétences actuelles dans l'entreprise, l'adéquation au poste et puis les besoins exprimés par les salariés lors de leurs entretiens annuels ou professionnels. Et puis à partir de là, nous bâtissons le plan de formation en adéquation avec les objectifs et les orientations stratégiques de l'entreprise. De manière générale, plus les salariés sont bien formés et plus l'entreprise est productive. Au-delà de ça, la formation des salariés est un vrai levier de performance, mais aussi de fidélisation dans l'entreprise. On a des problématiques de recrutement qui sont importantes aujourd'hui. Et former ses salariés donne à l'entreprise une image positive et dynamique. C'est assez pointu, mais c'est vrai qu'on a... J'encourage vivement les chefs d'entreprise à se former. Ils évoluent dans un environnement qui bouge sans cesse et ils ont besoin d'être agiles. Et pour assurer la pérennité de leur entreprise, c'est important pour eux de se former. Et pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan managérial ou stratégique. Alors moi j'ai fait il y a quelques années la formation Entreprendre et réussir. Ça m'a permis de prendre un peu de hauteur. Et de repositionner mon projet dans ma vie professionnelle. Ça a été un déclic pour moi, surtout sur la gestion humaine. Nous sommes des techniciens, nous n'avons pas l'habitude de gérer l'humain et je me suis vite aperçu que sans la gestion humaine, je ne pouvais pas progresser. Un chef d'entreprise doit considérer la formation non pas comme une charge ou une obligation, mais comme un investissement qui est créateur de richesses et de valeurs ajoutées. Et c'est vraiment un facteur de compétitivité pour l'entreprise. Cette politique de formation, ça a permis de fidéliser les salariés, de les voir s'épanouir, de faire progresser chacun. Il y a des gens qui étaient au départ à l'atelier et qui sont aujourd'hui soit au bureau d'études, soit responsables d'équipe. Donc, et ça, c'est important aussi pour la jeune génération et qui arrive, de voir qu'au sein des petites PME comme les nôtres, on peut progresser grâce à la formation.